Good morning, YouTubers. Alors ici, Victor Hugo 1860. Hier, j'ai été interrompu dans ma vidéo par la batterie qui m'a lâché. Il se peut là que bon. Alors, je voulais donc parler aujourd'hui assez particulièrement de la chaîne de Mr. Fifou qui s'appelle MRFIFOUUU, Mr. Fifou avec 3 U. On va l'écouter. Yo tout le monde, c'est Mr. Fifou et aujourd'hui, jour 5, nous nous retrouvons pour parler de rien parce que je sais pas de quoi je vais parler. Alors je vais manger mon brugnon. Et ouais, la vie fait le brugnon. Hein. Miam. Touch my tralala. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de colosse ce matin. Et j'ai rentré un truc que je rêvais de rentrer depuis, mais tellement longtemps. Vous savez, à Airise, là, il y a les deux fenêtres, là, tir de presse, tout ça. Bon, j'ai fait le tir de presse, boum, hit marker de merde. Et je me suis dit, mais tiens, on va faire comme dans les vidéos, les PGM qui retentent un oscope après. Et bien, mes chers amis, c'est rentré. C'est énorme. Bref, je suis trop content de ça. Et j'ai rentré un petit trickshot. Bon, bref, rien d'exceptionnel. Il était tout petit comme ça. Ouais, bref. Donc, c'est Monsieur Fifou. Alors, je voulais faire passer un message à travers cette vidéo parce qu'il m'arrive un petit problème de système dans ma chaîne YouTube, dans mon module de commentaires. Je n'arrive plus à envoyer des commentaires sur ma propre chaîne. Le bouton en bas à gauche, sous le petit module de commentaires, là où on tape le message, le bouton envoyer le message a disparu. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est dû à une mise à jour? Ces jours-ci, j'ai eu beaucoup de mises à jour de Windows 7. Je ne sais pas si ça vient de là. Si quelqu'un sait comment on peut rétablir ce bouton, ou si d'autres youtubeurs ont ce problème, qu'ils le fassent savoir, qu'ils me le mettent en commentaire. Sinon, vous voyez que là, il y a un petit monsieur, là, un centurion, je crois, du Galactica. Là, il y a des méchantes petites balles. Red Dead Redemption. C'est bientôt, ça va canarder, Colt 1878, il pèse son poids, et bien sûr c'est factice, avec des balles en laiton, bien sûr c'est factice, il n'y a pas de risque, c'est un joujou, évidemment c'est pour les adultes. Ça ne doit pas être mis sur la voie publique, ne doit pas être mis entre les mains des adolescents. Et évidemment, c'est pour les fêtes, les bals masqués, les amusements, les divertissements de famille. C'est pas à produire sur la voie publique parce que, comme il est dit dans la notice, vous risquez d'avoir de graves problèmes avec les forces de l'ordre. C'est juste que je voulais voir qu'est-ce que ça donnait, les Colts de Red Dead Redemption. Là il y a du laiton à l'intérieur, il y a du cuivre, je sais pas, bon, ils n'étaient pas faits avec ce genre de trucs. La crosse est en bois, mais bon, c'est factice, complètement factice. Je sais même pas comment on met les balles factices. Hein. C'est un joujou, hein, c'est une connerie, ça coûte relativement cher. C'était pour voir ce que ça donnait. Et bien, la pétoire, vous pouvez voir sur YouTube ou sur Dailymotion, vous tapez Colt et vous verrez, hein. Que c'est un Colt, vous verrez, il y a des Américains, évidemment ils ont le droit de porter des armes, il y a des Américains qui font des essais avec ce genre de pétoir, et ça fait beaucoup de fumée, c'est très lourd, et vous savez que les mecs, hein, c'est pas comme l'autre là, comme il s'appelle, j'oublie le nom, là, je zappe complètement son nom, le fameux western, là, avec Sergio Leone, et voilà, Clint Eastwood, voilà, pour quelques dollars de plus. Je les vois mal avec les pétoirs à l'époque, j'imagine c'était des Colts qui valaient des fortunes. Hein.
peut-être équivalent d'aujourd'hui 3 000, 4 000 euros. Bon, voilà, c'est un joujou. C'est juste pour comme ça, pour agrémenter la vidéo. J'espère que j'en aurai pas des retombées négatives. C'est un joujou à prohiber. Voilà, un joujou qui n'est pas en vente pour les mineurs. Alors, moi, je vais donc faire du Red Dead Redemption, du délire, hein. Et pas m'emmerder parce que bon, je ne suis pas un PGM. Je vais reprendre aussi les Medal of Honor parce que j'aime bien l'ambiance. Je piaffe d'impatience pour Battlefield 3. J'achèterai certainement Call of Duty Modern Warfare Free. Bien que bon, moi les Call of Duty me gavent, je vais vous le dire. J'ai pratiquement dans ma tête arrêté au 3. Hein. Bon, c'est pas que j'aime la période de la Seconde Guerre mondiale, mais bon, c'est chaque année. C'est comme le Beaujolais nouveau, ils en sortent un nouveau, alors ça casse bonbon, et je pense que Battlefield 3 va apporter des nouveautés de jeu, de gameplay, que même Infinity Ward et Activision auront du mal à suivre. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, cet incident du retour à l'expéditeur, c'est dommage pour ce monsieur, parce que, bon, il avait eu l'air de faire des efforts assez soutenus pour trouver la solution, et bon, il a salopé grave, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'aussi je ferai une petite vidéo rapidos, parce que moi je ne sais pas utiliser Fraps sur le HDPVR, qui n'est pas si compliqué que ça. Et on va écouter un peu de Mister Fifou. J'ai grave la motive, à part que quand même il faudrait que je révise, parce que moi j'ai le bac lundi. C'est la merde. C'est la merde, vous voyez. Enfin bref, la vidéo aujourd'hui sera toute courte parce que j'ai rien à dire. Je trouve pas de sujet. À part que j'ai le bac, qu'il faut réviser à mort. Et que voilà. J'ai le bac de première, hein, pas de terminale. Hein, je suis pas un surdoué, je suis pas sauté 14 classes. Mais... Enfin bref. Voilà donc. Sinon, dans mon séjour, ouais, parce que là, j'avais fait un deuxième épisode, mais bon, je l'ai modifié à cause de certains facteurs. Je disais, bon, j'étais beaucoup plus enjoué parce que c'était la suite de la première, alors que là, c'est bon, c'est quand même cassé, c'est 24 heures, 48 heures après. Je voulais dire que quand je suis monté à Paris, j'ai pas vu Netto, hein. Vous inquiétez pas, Netto, il est invisible. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Approchez-vous, je vais vous le dire à l'oreille. C'est comme dans Harry Potter, Netto, il a une cape d'invisibilité. Et avec sa baguette de magicien, pouf, tchi, il disparaît quand il rentre dans un Micromania, ou dans un showroom, ou dans un salon, hein, et on ne le voit plus. On le peut le heurter, mais on ne le voit pas. Alors, j'ai pas pu lui mettre un commentaire sur sa nouvelle vidéo qu'il vient de mettre, qui est extraordinaire, parce que je suis un fan inconditionnel des Battlefield. Il nous a fait une frag movie sur Battlefield, Bad Company 2, et je pense que c'est lui qui l'a fait, il en est capable, hein. C'est lui qui a fait les montages, et la musique est d'enfer, Netto. Alors là aussi, allez voir mon vieux pote, XX. Netto 75XX, Netto N-A-I-T-O 75, c'est un grand monsieur, il est sur le marché, entre guillemets, depuis au moins 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans, et on sent qu'il maîtrise, on sent que le gars, il a l'air désinvolte quand il parle et qu'on voit son icône à droite. Mais vraiment, c'est un grand masque. Bon, je vais pas tarder parce qu'après, ça va être un temps de téléchargement horriblement long. Ça, c'est le centurion qu'il y a dans la série Galactica. Que je peux pas piffrer, j'ai acheté ça, bon. Hein.
en collector. Je ne peux pas voir les gueules de ces quinquagénaires avec des boursouflures. Non, ils ont l'air fatigués. Je préfère la première mouture de Galactica où on voyait Boomer et compagnie, tous ces jeunes qui pétaient le feu, alors que là, ils ont l'air très fatigués, tous ces quinquas, tous ces cadres. Enfin, quinquas, c'est vraiment horrible. C'est une série que je n'ai pas pu regarder. Eh bien, écoutez, je donnerai ça peut-être au fils de ma sœur. On verra bien. En attendant, regardez, le centurion, il vous dit au revoir à tous. Et comme d'habitude, à toute allure !